sécurité et de protection. Regardez tout ce qui est d'Harry Potter. C'est beau ça, ils avaient déjà fait en plus le train. Oui. Moi je vais prendre ça et je vous ferai une vidéo. Je l'avais le train. Mais regarde, c'est beau hein, l'intérieur. En fait, oui. T'aimes bien? Ouais. Il y a le sac que j'aimais, mais ça fait un peu enfant. Ah, il y a deux sacs, ça soit celui-là, il y a celui-là. Il y a des cahiers, mais les cahiers j'en ai déjà pris. Hein. Par contre, des petits carnets là. Ils sont beaux, hein. Oh, petits carnets et c'est des chemises. C'est quoi? C'est le classique, celui-là. Marrant la forme de la boîte. Je ne sais pas comment le mettre. C'est bien détaillé. C'est déjà quoi cette musique? C'est Burgens. Ah oui, oui. C'est beau ce qu'ils ont fait. C'est des nouveaux créatures. Ah oui, c'est des animaux fantastiques. Moi, je la prends la tête plus tard sur internet. Très joli. Magnifique. Très bien. Je valide. Très bien. C'est bon, vous avez trouvé? Oui, regarde ça, c'est beau! Waouh! C'est le prix de départ, je pense. Alors, on a Ron, Hermione et Dumbledore. Dumbledore, il a un gros oiseau. Oui, oui, c'est le phénix. Je prends les 3, mais il manque. Ils sont belles. Ah, je... ah oui, t'as. Non, j'aimais pas les cités d'or, moi. Écoute, la poterie. T'aimes bien ce que c'est vrai? すみません。すみません。すみません。ありがとうございます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 。すみません。ありがとうござい
Ça, c'est pas Dragon Ball. Bon, à part que c'est 18. Faire une petite photo avec. Ah oui, elle est bizarre. Là, il y avait trop bien dans ma chambre. Elle, j'hésite encore. Elle n'est pas exceptionnelle. Moi, c'est de la télé. Marrant. Squishy. Ils sont ronds, ils sont mignons. Petit squish. Il squish. Il squish. Il squish. C'est vraiment incongru. Inattendu aussi. Mais quel est le mieux fait? Tu me comprends avec quelqu'un. Et après, il n'y a pas grand chose. Ça, j'adore ça. Celui-là, il est beau. Ah, il y a là aussi. Oh, il est joli, celui, c'est la chambre de Poppy. Ah, c'est les ronds comme ça. C'est trop mignon. Il y a deux. Bon, ça, j'ai pris celle-là. Bah, tu as vu, c'est là que je pourrais faire des histoires. Bah, c'est hyper cher, quoi. Miraculous. Oh, avec l'achat qui chante. C'est qui chante? Bah, le petit avec son sourire. Hein. Shopkins. Ah, elles sont pas si chères les Shopkins. Ceux-là, non. C'était sur Chaotix sur 32X Mega Drive. Ah, mais c'est bien. On faisait tomber, je crois, sur lui des nids. Non, Blu-ray. Dommage que c'est cher. Ah, il y a quand même 19h de dessin animé. C'est 21, c'est ça? Ouais. Oh, aussi bien. Celle-là. Elle est belle aussi. C'est beau. 20 ans, 25 ans. C'est un joli paillard. Elle est belle, la maison. Sympa. Sympa par les yeux que j'aime pas de Woody. Les yeux bizarres. En Toy Story, je préfère celui-là. Ouais, hein. Trop beau. Avec tous les petits aliens qui vénèrent Buzz. Trop beau. Ouais. Regarde, tu existes aussi en décoration de Noël. Je suis tellement belle. Si tu crées, c'est qu'il y a quelque chose de mieux. Ah, celle-là, là. Comment tu l'as fait déjà? Ah.
T'aimes la Belle et la Bête, non? Hein? T'aimes la Belle et la Bête? Oui. Ah oui, je l'ai vu sur internet, mais je l'ai pas vu en vrai. Elle est belle. Funaise. C'est quoi ce sentiment de marqueur? Bon, ça j'ai déjà dans une boîte différente, mais j'aime mieux. Je vous fais la review de cette petite box. On a Wally et on a le petit cafard. Voilà. Après on a Eve et on a le petit robot nettoyeur. Hein, mais je sais pas son nom. Oh, mais là pour la modique somme de je sais plus combien, mais c'était cher. C'est pour ça que j'ai pas pris. La modique somme. Oh, je le prends. Je vous fais pas la review. Quel monde de Ralph fait des max. Ouais. Trop bien. J'achèterai le monde de Ralph, mais peut-être pas. Est-ce que t'as vu les nouvelles images du monde de Ralph? Et moi. Alors bon, accessoirement, tu as Alan Tudy les expressions. Tu l'as aussi en nuisette. Ah oui, ça je connais. Ça. Oh, non, le plateau à pizza et une roulette à pied pour la découper en fait. T'as tout ça. T'as ça. La roulette. C'est magnifique ça. Ça et le. Je vais peut-être l'acheter. Le visage est sympa, mais ça vaut pas. Wow. Il est peut-être pas 10 euros le tien. Allons-y. Oui. Qu'est-ce que c'est? J'ai dit que j'achetais rien ici. Merci. Regardez, je... Il est mignon, Philippe, c'est Figaro, ouais. T'as un pompon caché. Ah, je l'assume. Et là, on a les mignons. Il est beau le lapin. Ouais. Je peux aller limiter à combien?
Ah oui, c'est tout. J'imaginais pas que c'était si petit. Des micro-figurines. Ah non, ça donne pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Là, je vais vous présenter quelques-uns de mes achats. Je ne vais pas inclure les Funko Pop et les objets que j'ai déjà fait en review précédemment. Et je ne vais pas inclure non plus les Lego. Alors, pour commencer, je vais vous présenter une casquette que j'ai achetée à Zing au prix de 9,99€ au lieu de 19,99€. Donc, moitié prix, donc de la marque BioWorld. Donc, ils font beaucoup de casquettes. On a l'œuf de Yoshi ici. Le Yoshi ici, il est vraiment très réussi. Et regardez l'intérieur, waouh! Donc vraiment très très classe cette casquette. Alors à Zing, j'ai trouvé aussi en solde à 9,99€ un débardeur de Dragon Ball Z. Et regardez, c'est la même chose pour le prix. Il restait que la taille S, donc heureusement que ça me va. Et voici le Vegeta. Vraiment trop trop bien. À Primark, j'ai acheté un t-shirt des Rasmoquettes. Comme vous le savez, j'adorais ce dessin animé, The Rugrats en anglais. Et le voici, taille S, class off. Regardez, donc c'est pas précisé. Je vais retirer la taille ici pour que vous voyez le motif. Donc je pense que je mettrai ce t-shirt pendant certaines vidéos. Il est vraiment trop trop beau. À Primark, 7€ seulement. Alors à Primark, j'ai trouvé un petit sac Oh Boy Mickey. Au prix de 8€ seulement. Et regardez, on peut mettre des accessoires. Il y a deux compartiments, donc vous pouvez mettre plein de choses, des fournitures par exemple. Voilà, je trouve vraiment pas cher parce que c'est très très pratique ce genre de sac. Alors, toujours à Primark, j'ai enfin trouvé une montre. C'est la même pose de Mickey, comme sur le sac, c'est en noir et blanc. Il y avait aussi mini, donc celle-ci fait plus masculin, donc j'ai pris celle-ci bien entendu au prix de 10€. Alors j'espère qu'elle sera solide, sachant qu'à Disneyland elle coûte super cher les montres. Voilà, donc je suis vraiment content d'en avoir trouvé enfin une à un prix abordable. Alors toujours à Primark, j'ai trouvé une bouillotte pour l'hiver. Je pense qu'il fera froid cet hiver comme il a fait très très chaud. C'est 1 litre au prix de 9€ seulement. D'un alien de Toy Story. Il est adorable, regardez ici la petite planète. Voilà, il est trop joli, ça s'ouvre dans le dos, la bouillotte. Alors c'est tout pour Primark. Je vais vous montrer maintenant mes achats à Disneyland. J'ai acheté des Tsum Tsum, c'est Roger Rabbit avec donc Jessica Rabbit et la jolie voiture, vraiment très détaillée. Roger Rabbit a un petit nœud pape, il a une petite salopette rouge et Jessica, sa robe est rouge pailleté sur le dessus. Elle a des boucles d'oreilles, un joli maquillage et une mèche, voilà, sur le nez. Donc voilà, j'adore. Et ça, c'est au prix de 17,99€. Je trouve ça un peu cher par contre. J'aurais mis ça à 12€, 13€ à la rigueur. Alors en Tsum Tsum, j'ai complété ma collection Monstres & Compagnie Academy avec Bob ou Mike si vous préférez. J'avais pris Sully et là j'ai enfin Bob ou Mike. Alors ensuite dans toujours Monstres & Compagnie, j'ai Randall Léon avec ses petites lunettes. Il est vraiment trop trop cute. Et pour finir, celui qui me manquait, c'était Art. Il me semble qu'il s'appelle Art, je suis pas sûr. Il l'adore. Il est vraiment trop marrant celui-là. Et j'adore, il est très très doux. Ouais, c'est pas la même matière au niveau des petits poils. Voilà, super bien fait. Alors maintenant on va passer aux pins. Alors il faut dire que j'ai craqué pour plein de pins. Alors j'ai trouvé la suite des pins Animator Doll avec ici Blanche-Neige. Alors ensuite j'ai trouvé Belle. C'est important, Belle c'est ma princesse préférée. Donc je suis vraiment content d'avoir trouvé enfin. Et enfin Ariel avec Polochon.
Je crois que c'est un énorme coup de cœur, même si Belle est ma princesse préférée, celui-là, je l'adore parce qu'il y a Polochon. Je l'adore, je l'adore. Mais c'est pas terminé pour les pins. J'ai pris des nouvelles sortes, nouvelles catégories, on va dire très cute, avec Figaro. On a Rox. Et on a bien entendu Rookie. Alors, est-ce que vous savez s'il y en a d'autres dans cette collection? J'aimerais trop savoir. Je les aime tellement. J'espère qu'ils en feront beaucoup plus. Donc voilà pour mes petits achats. Alors bien entendu, dans cette vidéo, je n'ai pas fait que ça. Mais je ne présente pas les autres achats puisque je vous les présenterai prochainement en vidéo où ils ont déjà été présentés récemment sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller sur mes réseaux sociaux pour voir les photos en détail. N'hésitez pas à mettre un like et activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous remercie énormément d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Salut !